Salut, salut, salut les amis. Je ne veux pas rester longtemps. Rapidement, rapidement, rapidement. Urgent. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu l'audio qui nous vient droit du Burkina Faso, qu'on a mis dans les groupes WhatsApp, que j'ai entendu, que je viens d'entendre. Donc, nombre d'entre vous, vous avez écouté. Il y aurait des mercenaires, donc un avion d'Alassane Dramane Ouattara, le déstabilisateur de la sous-région ouest-africaine de la CEDEAO à l'œuvre. Donc, il y aura un avion qui aura atterri à l'aéroport de Bobo Dioulasso, si je ne me trompe, ou de Ouaga, voilà. Et que ils sont à l'œuvre pour protéger leurs poulains, leur coup d'État. C'est plausible, très plausible. Hein? Cette manœuvre-là est très plausible, nous disons bien. Donc, comme nous les Africains, nous aimons rêver, je dis ceci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, les amis. Partagez. Prenez la quatrième sortie sur situation 36. Où je ne suis pas censé tenir le téléphone pour faire ce direct-là. Mais je vous dis ceci, les amis. Il faut se mobiliser, ceux qui sont en France, les Burkinabés en France, d'aller à l'ambassade du Burkina Faso en France. Prenez l'ambassade. Allez-y à votre ambassade. C'est pas normal. C'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Ne dormez pas. Je sais pas si. Donc, je répète. Je sais pas si vous avez entendu le même message que moi. Zone de contrôle sur votre trajet. Je sais pas si vous avez entendu le même message que moi. Que. Il y a un avion des mercenaires qui atterrit à l'aéroport de Bobo Dioulasso ou de Ouaga, je ne sais pas. Mais vous avez l'audio dans les groupes. Je dis, s'il vous plaît les amis, nous les Africains, on aime dormir. Nous les Africains, on aime, vous êtes occupés à votre travail. Vous entrez dans une zone de contrôle. À votre boulot. Parce qu'en France ici, voilà, les conditions, je dis bien, ne me permettent pas de faire ce direct-là. J'essaie de forcer parce que c'est grave. En dernier recours, c'est ça que l'Occident va faire. C'est ça que les colonisateurs vont faire, les impérialistes. Vous le savez. C'est ça qu'ils vont faire comme ils ont pris le Tchad en otage. Les amis, je demande, moi là, je me dirige vers Paris. Si vous êtes nombreux, nous partons à l'ambassade. Si vous êtes nombreux, nous partons à l'ambassade. J'y vais. Il faut que les Burkinabés de France se mobilisent et aillent à leur ambassade. C'est pas normal qu'on se gère dans les affaires intérieures des Burkinabés. C'est pas normal que le dirigeant français, la France-Afrique, s'ingère dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Moi, je vous appelle, comme vous aimez dormir, vous aimez attendre que les autres fassent pour vous. En tout cas, j'irai pas là-bas, seul, pour qu'on aille en garde à vue. On est fatigué de faire des gardes à vue pour des gens qui veulent pas se bouger pour leur pays ou pour leur continent. Voilà. Les amis, il faut aller à votre... Laissez le travail pour une journée, c'est pas grave. J'appelle à tous les Burkinabés, j'appelle à tous les Panafricains, j'appelle à tous les amoureux de l'Afrique. Il faut qu'on aille à l'ambassade du Burkina Faso à Paris à l'instant même. J'appelle à tous les leaders de faire des vidéos. J'appelle à tous les leaders de faire des vidéos en ce sens-là. Il faut prendre comme argent comptant cette information-là. Donnons le bénéfice du doute à notre combat. Parce qu'ils sont capables et prêts à faire ça. Ils sont acculés actuellement. Ils sont acculés actuellement. La France-Afrique se meurt. La France-Afrique est menacée. L'Occident est menacé actuellement. Donc ils sont capables et prêts à le faire. Je demande au peuple burkinabé de la diaspora, aux Africains de la diaspora, qu'on soit à l'ambassade de France dans 2 heures. Dans 2 heures, il faut que nous soyons massivement là-bas. C'est le pays qui est en danger. C'est le Burkina Faso qui est attaqué. Il s'agit de ça. Il faut que vous soyez acteurs du destin de votre pays. Ne soyez pas des figurants.
Ne soyez pas des observateurs et ne soyez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas indifférents. Voilà, nous avons l'information qu'un avion qui vient d'atterrir pour protéger Damiba, pour sauver le pouvoir de Damiba. La preuve qu'on attendait que c'est un pouvoir de l'oligarchie française, que c'est un pouvoir de l'Occident, c'est une marionnette de l'Occident, elle est là. C'est pourquoi je fais ce message-là. Voilà. En tout cas, moi, je suis à Paris.